Bonjour, ce mardi dans le 8-9 Café Pro du Populaire, on était avec Françoise Chomeil, directrice de l'AFPI, l'organisme de formation pour l'industrie. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'industrie, on va parler d'une formation très artisanale, très pour les métiers du luxe, la formation sur l'émail qui est organisée par l'organisme. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette formation et comment, quels sont les débouchés qu'elle ouvre aux personnes qui viennent à Limoges ? Oui, donc cette formation a été mise en place à la demande du syndicat professionnel des émailleurs d'art de France il y a maintenant une quinzaine d'années et elle forme donc la relève des émailleurs qui sont des artistes, des artisans qui émaillent tout type de métaux, du cuivre bien sûr, mais aussi des métaux précieux comme de l'argent, de l'or. D'accord. Il y a des débouchés aussi dans le salariat, notamment auprès des entreprises du luxe en Suisse, dans l'horlogerie par exemple. Voilà, effectivement l'horlogerie suisse a découvert cette niche qui est à Limoges, cette école qui forme ses émailleurs et recrute depuis 3 ans, des salariés qui vont travailler sur cet univers du haut luxe. Alors on connaissait l'émail qui a parfois une image vieillotte. Là on voit devant des créations des stagiaires qui sont passés par l'AFPI. Ça change de ce qu'on pouvait voir auparavant. Oui, effectivement. Dans la formation, ils sont accompagnés par un enseignant sur la démarche artistique, sur la recherche artistique. Ils créent de A à Z leurs objets, leurs pièces. Là, les bijoux que nous avons devant nous ont été réalisés donc, en argent dans notre atelier d'orfèvrerie et émaillés donc, par nos élèves. Si vous voulez retrouver, en savoir plus sur cette formation, vous pouvez le retrouver sur le site internet du Populaire du Centre et aussi dans le journal Demain. Merci beaucoup.